Et bonsoir à tous les amis, bonsoir une nouvelle fois à toute la famille. Donc on est toujours le jeudi 25 ou 26 août, je sais plus, excusez-moi. Je le mettrai dans le titre, c'est pas très grave. Donc nouvelle petite vidéo sur le chantier de Pontus. Vidéo de fin de journée sur le chantier, donc bon, voilà, ouais, on va faire le petit récapitulatif pour vous demander, pour vous montrer une fois de plus l'avancée des travaux qui a été réalisée sur jusqu'à 18h, et puis voilà, que vous constatiez un petit peu les changements, quoi. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc, où là maintenant toute la haie devant était désépaissie et taillée sur la hauteur, ainsi que les branches débarrassées. Donc, comme vous pouvez voir, quoi. Donc, forcément, ça fait beaucoup plus propre maintenant, quoi. Donc voilà, je me suis arrêté ici, hein, ça se voit bien. Donc voilà, bien désépaissi tout le long. Et puis ben maintenant, je vais aller vous montrer à l'intérieur ce que j'ai continué à avancer. Donc bon, bien sûr, tous les branchages ont été débarrassés. Parce que bon, ben, ça aussi, ça représente quand même une somme de travail, quoi. Donc voilà un peu le visuel qu'on obtient ici. Vraiment une zone bien propre, bien dégagée, avec des belles finitions. Donc ensuite, ça, c'est les branchages qui me restent de la fin. Enfin, les branchages, le lierre, les ronces. Qui me reste sur la fin de journée. Dans les dernières tâches que j'ai accomplies durant la dernière heure, que je débarrasserai demain une fois de plus, hein. Et puis bon, ouais, je vais vous monter un petit, vous montrer l'avancée que j'ai fait. Ah oui, avant, ouais, voilà, il faut que je vous montre cette haie aussi de ronces, où au niveau de la hauteur, j'ai carrément bien réduit aussi. Pour avoir une belle, une finition propre, quoi. Donc bon, voilà, hein, ce qui est à côté, c'est pas à moi de le faire, ce qui est à côté, mais au niveau de la hauteur, bon, j'ai préféré quand même donner un coup depuis ma partie où je suis, afin que quand même sur le terrain à l'intérieur, ça soit mieux, quoi. Il y a un visuel plus propre, plus net, plus joli, quoi, hein. Donc bon voilà, comme ça on a une bonne finition sur comme si c'était une haie, hein, sauf que c'est des ronces, mais bon, c'est pas très grave. Et puis ben voilà. Donc comme vous pouvez voir, voilà, cette zone-là a été encore bien agrandie, bien débarrassée et entamée. Donc j'ai évacué et débité un petit morceau. Les troncs tout pourris là qui étaient couchés par terre au sol, ce qui du coup m'a permis de libérer l'accès pour rejoindre le derrière de la maison. Où là aussi j'ai commencé à pas mal tailler tout ce qui était le plus épais au coupe-branche. Voilà, je l'ai laissé disposer en tas par terre, et il me restera plus qu'à le broyer à la lame, hein, avec la débroussailleuse. Hein. Donc voilà quoi, on obtient déjà presque un joli visuel. Donc il reste quand même encore du travail, mais déjà, bonne session sur ces 3 heures, une fois de plus. Sacrée avancée au niveau du débroussaillage et du nettoyage. Donc voilà, hein, on circule maintenant bien. Là aussi c'est pareil quoi. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très satisfait, très content.
J'ai fini de dégager la gouttière et le dessus du toit, de toit, de tous les branchages qui restaient dans la gouttière, quoi, pour qu'elle retrouve toute sa fonctionnalité. Donc bon, voilà, hein, dégager tous les branchages qui traînaient pour remettre propre. Et puis ben voilà, hein, au visuel, ça fait la différence, hein, il n'y a pas de détails. Voilà. La fenêtre pourra être à nouveau ouverte et avec un joli visuel sur le jardin, quoi. Donc bon, voilà, moi ça me fait bien plaisir. Je suis, bah, comme toujours, fier de mon travail avant tout, hein, c'est ce qui est le plus important quand même, quoi. Donc voilà, hein, on retrouve vraiment un terrain propre, fonctionnel. Bon, voilà, il reste plus que cette partie-là à dégager, mais bon, toujours pareil, ça me fait pas peur, je baisse pas les bras. On a la niaque, la patate, la rage, l'envie de réussir, on y croit. Et puis, bah, ça va se faire comme tout le reste, hein. Donc voilà, demain c'est ma dernière après-midi sur cette semaine au niveau de ce terrain-là. J'espère que j'avancerai encore bien comme il faut. Voilà, de toute façon je vous ferai suivre les vidéos, il n'y a pas de problème. Donc voilà les amis, voilà la famille. J'espère qu'une fois de plus ces petites vidéos sur la réalisation de mon travail vous aura fait plaisir. Que vous arrivez quand même à vous rendre compte. Que, bon voilà, hein, l'espace vert, oui, mais c'est pas l'espace vert en short et claquette, quoi, si je puis me permettre, hein, c'est l'espace vert de Spartiate. Donc voilà, puis bah, je vais finir sur un petit, on va dire, panorama, un petit visuel complet sur le terrain, que vous rendiez compte un peu, quoi. Voilà, les amis. Voilà les amis, j'espère que ces images vous auront fait plaisir, que vous avez pu vous rendre compte de comment c'est devenu propre quoi. En tout cas, moi pour ma part, je reste toujours hyper satisfait d'arriver sur un terrain où c'est la forêt équatoriale et d'en repartir et que c'est vraiment bien propre, impeccable, ça fait plaisir quoi. Voilà les amis, voilà la famille. Allez, c'est sur ces quelques images que je vous laisse. Je vous remercie tous très fort de me suivre encore une fois de plus à travers mes aventures. Et à très vite pour d'autres infos et vidéos sur l'association du jardin fermier, les mille idées et tout ce qui se passe autour. Ciao, bye bye!